Bonjour mon pote. Hein? On a de très bonnes chances, on a tiré des bons numéros dans les boîtes, donc maintenant à nos jockeys d'être inspirés, de prendre le bon wagon et de foncer au poteau. Le sac à fonçage. Il y a pas mal de choses. Il y a des brosses. Une brosse dure pour la queue. Une brosse douce pour le poil. Une deuxième brosse douce. Alors ça, c'est avant la course. Avant la course. Et celle-là, c'est vraiment juste avant qu'on pose la selle. C'est la brosse luisante. Normalement, là, il devrait briller, ouais, je pense, ouais. Ben, faut le prendre, c'est l'heure, là. Ça y est, les deux partants de l'arc sont embarqués. On y croit. On y croit, on y croit, tous les feux sont au vert. Voilà. On fonce à nos jockeys maintenant de faire la différence. Allez. En route. En route. How many times have you been in the Ark now? This time, 10 times. This is your 10th time? Yes. 101e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Tout à l'heure, à 16h05, 20 compétiteurs vont s'élancer pour essayer d'inscrire leur nom et bien au palmarès de cette épreuve mythique. I hope many Japanese horse. 1, 2, 3, 4. And then Marquis, Arne Derry. How are you? Good, thanks. Thank you. He was in the horse. We're delighted to have him here. We were delighted with his last run, and we're looking forward to the race. Is the field good for him? Yeah, we think so. Hopefully we won't get any more rain, so hopefully. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Have a good day. Thank you. Oh, you have a good guitar. Bon, comment est la piste, Christian? Ça colle un peu, bah, la nouvelle bande, ça va aider. Elle est tout neuve, donc c'est un avantage. La nouvelle bande, c'est... T'as mis les bonnes chaussures? Non. J'ai pas le temps de les changer. Allez. Worried. Really? Worried, yes. You know, I've trained 53 years and I've got here with a second favourite and I'd like it to go well. Yeah. I'm very privileged to have as good a horse and she's won 5 Group 1s in a row. I don't want it to end. Comment vous vous sentez? Écoutez, serein, on a un petit peu moins de pression vu l'état du terrain qui n'est sûrement pas la tasse de thé d'Onesto. Je pense que c'est un cheval particulièrement de bon terrain, qui a une action rasante, etc. Du coup, ça nous enlève un peu de pression. Thank you.
Bon, 10-12, on vient au milieu, ça va très bien. 2-6 ans. Ouais, on va pas chercher à aller à droite, à gauche, on file et il a sa pointe, faut utiliser sa pointe. Il faut pas reprendre, faut partir avec là, cacher dès qu'on peut pour que le cheval soit le plus détendu possible. Voilà. Comme tu penses, ça va aller régulier, ouais. Elle est pénible. Donc il risque d'y avoir beaucoup de chevaux qui vont commencer à peiner dans la descente de la fosse droite. Là, il faut être inspiré dans les bonnes roues, se retrouver en avançant gentiment tout le temps. Si je vais bien, je pense qu'il ne faut pas démarrer trop tôt. Non. Venir se faire filer jusqu'au 300. Et après, si jamais il va bien, qu'il a envie d'y aller, on y va. Unième édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe et les voilà partis. 2400 mètres de grand bonheur et comme attendu, c'est le japonais Title Holder qui va venir s'installer aux avant-postes, accompagné par Alminissa, accompagné par le numéro 16 Halakim qui vient à la corde. Deep Bond également est tout prêt avec Westover, alors que Broom vient à l'extérieur. Stay Foolish est dans son sillage, accompagné par le numéro 3 Marie Australis. Mostada patientant à l'arrière. Il y a Totius, il y a également le numéro 12 Bubble Gift, alors que Mishrif et Grand Glory sont pour l'instant en léger retrait avec le tenant de titre Torquatortasso qui patiente à son tour. Les japonais qui font en tête de la course, Title Holder, Deep Bond qui sont de première place, rejoint maintenant par Groom qui se place en deuxième position. Halakim est bien placé côté corde en troisième position. La favorite de cet Arc de Triomphe, c'est Alpinista, la jument grise. Elle est cinquième côté corde. Westover galopant à son extérieur. Stay Foolish vient un peu plus loin avec Mare Australis. Badini est au sein du peloton en compagnie d'Alain Couillard, le tenant du titre. Torquatortasso monté par l'enfant de Code Tori, patiente à l'arrière-garde avec Bubble Gift. Et c'est pour le moment Grand Glory qui est en dernière position. Titler de l'Almeyer avec à son extérieur le numéro 7 Broom. Il y a du rythme dans cette compétition. Il y a en troisième position le numéro 16 Alakim. En quatrième position, on retrouve le 6 Deep Bond. Alpinista est à l'intérieur. Westover est dans son dos, accompagné à l'intérieur par le numéro 10 Mendocino, à l'extérieur par le 8 Stay Foolish. Fadeli patiente, le 3 Mare Australia à l'extérieur, devant le numéro 4 Siliway, à l'arrière Mostadaf, Mishrif également, accompagné par Dodius ou encore par Grand Glory. Un peu moins de 1000 mètres de l'arrivée, Title Holder, le cheval japonais, toujours aux commandes. Groom qui est en deuxième position, Alakim qui suit librement troisième, Alpinista, Mendocino qui vient de côté corde, Deep Bond est un peu sollicité pour garder sa place, Stay Foolish, Fadeli qui vient ensuite, et Torquatortasso qui tente de progresser à l'extérieur. Il est ainsi lancé à cet instant par l'enfant Code Tori. Pour sortir de la fausse ligne droite, on retrouve toujours aux avant-postes Title Holder avec Groom qui lui met la pression. Alpinista est troisième, il y a Alakim qui est en quatrième position et qui tente maintenant d'accélérer. Westover revêtant du terrain, Fadeni se rapprochant à son tour à maintenant 400 mètres du but. Et Title Holder se relance, Alpinista très facilement maintenant qui vient en deuxième position avec Groom, Fadeni également, Alakim qui vient à l'extérieur. Torquatortasso qui revient maintenant pas mal de terrain. Alpinista qui vient à l'intérieur, Alakim qui vient à l'extérieur, Fadeni en troisième position, Torquatortasso qui maintenant revient de très loin complètement à l'extérieur. Alpinista, la jument grise à l'intérieur avec Fadeli, avec Torquatortasso qui est en troisième position. Alpinista qui va créer l'exploit et remporter le 14 prix de l'Arc de Triomphe, la sixième victoire de Coupe 1 consécutive pour la pouliche, pour la jument entraînée par Sir Marc Prescott. Wonderful! Wonderful day! Excellent! That's superb! So pleased for you! Guys, the horse is coming! C'est exceptionnel, le public de l'échange, applaudissez le temps des alpinistes. Applaudissements.
Simon Ronald, le marqueur.